Third lane with Eric Langevin, the fourth. Alors, Langevin est en milieu de peloton, c'est Rousse qui est à l'intérieur. Et Bergeron, dans le deuxième, Stevenson, Eric Langevin et Métivier, dans le couloir. 12 secondes. Ça ne devrait pas être trop rapide. 3 secondes. Nicolas Rousse et Bergeron semblent avoir devancé le départ. It seems that the 225 and the 007 were too fast at the start. That's too bad for those young drivers. Et on a vu Stevenson did lost control of his boat. And Langevin is on the lead. Alors Langevin lui semblait légal au départ, ça pourrait être notre meneur. Now it's Nicolas Rousse with Eric Langevin battling in the corner. Oh, quite a battle between the Oiseau Bleu and the long shot. Stevenson is third. Tommy Bergeron. Paul Martin Mathieu cinquième. David Métivier et ensuite c'est Sylvain Meur. Donc Nicolas Rousse is hanging on the inside against Eric Langevin, but I think he has jumped the gun. C'est dommage puisque l'Oiseau Bleu est extrêmement rapide. Nicolas Rousse a devancé le départ. Alors, les officiels nous confirment que le 2.25 Oiseau Bleu a devancé le départ ainsi que Tommy Bergeron. Le meneur serait donc Éric Langevin dans le CS12 de Long Shot. The first boat, Nicolas Rousse jumped the gun. Also, Tommy Bergeron, so the leader would be Éric Langevin, the Long Shot CS12. Second would be Rod Stevenson. And third would be Sylvain Maheur. Battling with Paul Martin Mathieu. Et on ne voit plus David Métivier. The CS43 has stopped somewhat. So the leader would be Eric Langevin, the CS12, the yellow boat, who wasn't even here yesterday and qualified by way of the semi-final. Stevenson, des problèmes dans le virage. Sylvain Meur est actuellement deuxième avec Top Gun. Suite au problème de Rod Stevenson dans le deuxième virage. Alors, quel résultat ce serait pour... La première fin de semaine en 2.5 pour le Top Gun de Sylvain Maheu, CS19, et l'ancien Virgo de Marc Théorin. Avec un tour à faire, one last to go for the leader, Eric Langevin, the long shot. Tommy Bergeron a jumped the gun, so he penalized one lap. Et en deuxième, on aurait Sylvain Maheu, mais attention avec Paul Martin Mathieu et Rod Stevenson derrière qui tente de le rattraper. Stevenson is now third. Alors, dernier virage, this is the last turn for the driver should be our winner, the long shot, Eric Langevin. We see Tommy Bergeron who jumped again. Should finish in sixth position with Nicolas Rousse finishing fifth because this is the race for the second place with Stevenson and Sylvain Maheu, and it will be finally Stevenson by half a boat length for the second place. Rod Stevenson, the wet spot, il emporte pour la deuxième place, tout juste devant Sylvain Maheu, le Top Gun.
Le CS19 qui termine troisième et Paul Martin-Mathieu quatrième, suivi de celui qui a été le premier croisé de l'arrivée et qui a devancé le départ, Nicolas Rousse, et de Tommy Bergeron.